Hier soir, Mosaïque Cristal était en édition spéciale en direct avec les trois anciens députés de la Circo sur le plateau. Vous pouvez d'ailleurs revoir la soirée électorale sur notre site internet mosaïque-cristal.tv et vous allez en revoir déjà quelques extraits. On commence avec l'interview en duplex du candidat du Rassemblement National, Pascal Genft. Et précision, cette intervention s'est déroulée en début de soirée quand les résultats n'étaient pas encore définitifs. A priori, on se profilerait plutôt vers un second tour. En cas de second tour, vous allez faire appel aux voix, notamment des candidats Reconquête, Debout la France. Mais écoutez, je pense que les électeurs sont libres de leur voix, libres de leur choix. Je vais faire appel à tout le monde, à toutes les bonnes volontés qui voudront me soutenir. Quels sont vos espoirs pour la circonscription ? Mes espoirs sont grands. J'espère, j'ai les mêmes espoirs que les habitants de notre circonscription. L'amélioration de leur pouvoir d'achat, l'amélioration de leur situation en général. Est-ce que vous épousez les thèses de ce parti-là, qui est un parti nationaliste ? Alors, j'épouse totalement le programme du parti. Je pense que vous l'avez vu, où tout le monde a pu le télécharger. Donc je suis en parfait accord avec le programme du parti, celui qu'on a présenté et celui sur lequel nous avons été, enfin où nous avons recueilli toutes ces voix. Emmanuel Macron appelle à un large rassemblement clairement démocrate et républicain face au RN. Est-ce que vous avez peur d'une alliance de ces deux candidats qui sont derrière vous ? Oh non, absolument pas. Ils ne font que ça, se rassembler, crier au loup. Je ne pense pas que ça change encore grand-chose. Les Français en ont assez de ces prises de position, de ces appels qui ne servent plus à rien. Vous partez du principe que la victoire vous est acquise dans la 5e circonscription de la Moselle ? Absolument pas, non. La victoire sera acquise le jour du vote si nous avons la majorité. Aujourd'hui, effectivement, il semble que nous en soyons proches, mais il va falloir être patient, visiblement. Après, être élu seul, ça n'a pas grand intérêt. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on remporte cette majorité à l'Assemblée nationale. Le député sortant Vincent Cetlinger du parti Les Républicains est arrivé deuxième avec 34,23% des voix. Il a lui aussi réagi hier soir en direct sur Mosaïque Cristal. Vous arrivez deuxième avec 34,24% des voix et loin derrière le Rassemblement national. C'est une déception pour vous ce soir ? Oui, ben c'est sûr qu'il y a une vague ce soir, enfin, pour le RN à travers le pays. On le voit à Forbach ou à Saint-Avold où les collègues RN ont été élus dès le premier tour. Donc c'est sûr que chez nous aussi, on a une vague RN. Vous y avez échappé de peu à l'élection dès le premier tour du Rassemblement national. Oui, enfin, c'est pas que j'ai échappé de peu, c'est plutôt que les résultats d'abord venaient de certaines communes et donc au départ effectivement on se rapprochait des 50%, mais au final on est quand même à un score un peu inférieur pour le RN, donc c'est plutôt positif et voilà, maintenant je suis très combatif pour le second tour. Alors justement, parce que en 2022 vous étiez qualifié pour le second tour en étant devancé par le Rassemblement national, mais avec à peine un peu plus d'1% d'écart. Là, cette fois-ci, l'écart est important. Ça ne vous fait pas peur ? Écoutez, non, je reste combatif avec ma binôme, hein, Évelyne Fiertion. Je pense que voilà, tout reste possible pour le second tour. On a quand même vu qu'il y a quand même pas mal de voix encore qui restent à trouver pour le second tour, hein, puisqu'il y a les voix de la gauche, il y a les voix de différents candidats. Donc tout reste possible. Donc très clairement, ça veut dire que vous allez faire appel à l'électorat du Nouveau Front Populaire. Hein, clairement, je fais appel à toutes celles et ceux qui n'ont pas voté, évidemment, aujourd'hui, ni pour le RN, ni pour moi. Donc ça, c'est effectivement le Front Populaire, mais c'est aussi le Parti des Mosellans avec M. Lippe, c'est également Debout la France. Et puis, c'est peut-être des personnes qui, au premier tour, ont voulu se mobiliser pour le RN, parce qu'ils voulaient effectivement une majorité à l'Assemblée nationale pour le RN, et qui se rendent compte ce soir que, finalement, avec tous les députés qui ont été élus dès le premier tour pour le RN, ils auront effectivement une majorité forte, une majorité absolue à l'Assemblée. Donc maintenant, il faut que les électeurs se posent la bonne question. Est-ce qu'ils veulent un député de terrain, un député de proximité, ou est-ce qu'ils préfèrent un député qui est tellement intéressé par notre territoire qu'il a été encore il y a peu conseiller régional dans le département des Vosges ?
Arrivée troisième avec 12,38% des voix, la candidate du Nouveau Front Populaire, Lisa Lahore, était hier soir en préfecture de la Moselle à Metz. Je vous propose d'écouter sa réaction à l'issue du premier tour. Réaction forcément mitigée quand même, hein, je ne vais pas le cacher. Voilà, on voit que la gauche s'effondre quand même. Enfin, c'est très difficile pour la gauche au niveau de la Moselle et notamment aussi pour moi. On arrive quand même troisième, ce qui est quand même pas mal, mais on pensait quand même faire mieux. Surtout quand on voit les scores surélevés du RN. Bon, après, malgré tout, les scores ont changé depuis le début de la soirée où il était annoncé élu d'office et là où il ne l'est plus. Donc c'est quand même une petite victoire de voir son score baisser. La règle, elle est très claire, c'est même pas une règle, c'est vraiment ce qu'on a dans nos tripes et ce pourquoi on se bat. Forcément, pas une seule voix ne doit aller au Rassemblement National. Ça va de soi et c'est la seule ligne qu'il faut défendre. J'appelle aussi quand même tous ceux qui sont mobilisés de près ou de loin dans ma circonscription et que je remercie d'ailleurs, ou même ceux qui ont une sensibilité qui sont effarés par ces résultats. On peut s'organiser entre nous pour aller dans les circonscriptions où on aura des candidats de gauche. Pour l'instant, malheureusement, c'est uniquement Céline Léger qui est sur la 8e circonscription face à Jacobelli. On est très déçus, c'est sûr, mais je pense qu'il faut transformer cette déception en colère et en rage pour tout donner. Et après, par la suite, dans tous les cas, moi, je suis militante, c'est-à-dire que moi, je suis sur le terrain, même hors dehors des élections. En plus de ça, il faut aussi se préparer, parce que monsieur le Président a quand même laissé sous-entendre qu'il pourrait potentiellement redissoudre de nouveau l'Assemblée nationale dans un an. Donc, dans tous les cas, nous, on sera là sur le terrain pour les gens, parce que ce qui compte, c'est vraiment être à la rencontre des gens et être là pour eux. Et nous, on n'est pas que là pour être pour les élections, en fait, tout simplement. Les appels au report de voix se font entendre de toutes parts. Le candidat du parti Debout la France, Hervé Hoquet, 1,26% des voix dans notre circonscription, l'a écrit noir sur blanc. Alors je cite, « Il est bien évident que j'appelle en accord avec Nicolas Dupont-Aignan et sans aucune hésitation les électeurs DLF sur la 5e circonscription à voter pour Pascal Genft, candidat RN pour battre le député sortant LR, Macron compatible. » Fin de citation. Hier, les trois prédécesseurs du député sortant étaient sur le plateau de Mosaïque Christophe. Gilbert Maurer, PS, Céleste Lette, LR et Nicole Triss, Renaissance. Tous trois ont appelé au vote pour Vincent Cetlinger au deuxième tour. La discussion animée a aussi été l'occasion d'une remise en question. Je vous propose d'écouter un extrait des échanges. Ça commence par Céleste Lette qui s'adresse à Gilbert Maurer. Tu ne penses pas qu'on a, et toi et moi, en tout cas les partis qu'on représentait, une certaine responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui avec l'émergence des extrêmes? Parce que j'ai été député pendant 15 ans, j'ai été député sous Chirac, donc dans la majorité, j'ai été député sous Sarkozy, donc toujours dans la majorité, et dans l'opposition à l'époque de Hollande. Et j'ai donc été souvent dans ces postures politiques, où ce qui était bien quand on était au pouvoir ne l'était plus quand on était dans l'opposition, ou inversement. Et qu'on a été toujours dans des postures qui ont fait que, sur des valeurs qu'on aurait pu avoir communes, il y a quand même eu des choses sur lesquelles on aurait pu s'entendre, que ce soit dans la sécurité, que ce soit dans l'immigration, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'éducation, peu importe les différents domaines, mais où chaque fois, parce qu'on est opposé à. Et la droite est coupable, mais la gauche aussi. Et c'est aujourd'hui un petit peu le châtiment que nous impose la population en disant « Vous, autrefois, gauche et droite, vous n'avez pas su répondre à nos attentes ». Le président Macron ne l'a pas su davantage dans ce nouveau bloc qu'il a créé, et je le regrette, mais on a tous une culpabilité partagée. Et ça a donné quoi? Eh bien aujourd'hui, et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, colère ou adhésion, eh bien aujourd'hui, je pense, il y a les deux certainement, mais l'adhésion est issue de cette mauvaise entente qu'on a eue pendant des décennies. Je suis d'accord avec vous dans le fait qu'on a fait beaucoup trop souvent et on a fait depuis trop longtemps de la politique politicienne en pensant au coup d'après et en faisant effectivement ces petits arrangements entre amis ou au contraire en voulant être en opposition pour dire moi je suis dans l'opposition, votez pour moi, je suis dans l'opposition. C'est stupide parce qu'en fait ce que les gens y veulent c'est du pragmatisme. Et c'est vrai que c'est là qu'il faut qu'on ait une cohérence et qu'il faut, moi je suis effectivement, la démocratie c'est ça, c'est donner la parole aux gens. Bon, c'est ce que j'avais dit en 2022 quand effectivement Vincent Cetlinger m'a battu, je dis mais je suis j'accepte totalement le verdict, c'est ça, je veux dire une voix est importante, chaque voix est importante et donc on n'a pas, nous, à décider ou à moraliser ou à intellectualiser ce genre de choses.
choses. Il faut effectivement faire jouer à fond cette démocratie et on aura peut-être un état de droit qui sera beaucoup plus serein, finalement. Je souhaite qu'on en revienne à cette politique de la droite et la gauche. On sait à qui on a affaire et ça a été, ce code a été cassé. Mais vous, vous avez raison en intervenant auprès de M. Lettre quand il a dit ça, en disant « mais maintenant il y a cette extrême droite ». Eh bien, si, il peut y avoir deux blocs. Il y aura ce bloc RN et il y aura les démocrates, qu'il faudra aussi largement qu'ils le peuvent. Il y en aura qui resteront à la marge, mais qui se mobilisent pour contrer ce RN. Les accords dans l'hémicycle, ça sera ce qu'on appelle communément le troisième tour. Pour le moment, la cinquième circonscription se tourne vers le deuxième tour. La campagne s'annonce intense cette semaine. Et je peux déjà vous annoncer que nous organisons le débat d'entre-deux tours sur Mosaïque Cristal. Pascal Genft du Rassemblement National et Vincent Settlinger du Parti Les Républicains confronteront leurs idées. Vous pourrez voir ce débat jeudi dès midi sur Mosaïque Cristal. Il sera ensuite rediffusé en boucle jusqu'à vendredi midi. Et comme d'habitude, vous pourrez aussi le voir sur notre page Facebook et sur YouTube. Pas de deuxième tour en revanche chez nos voisins. Dans la sixième circonscription de la Moselle, le secteur de Forbach, le député sortant Kevin Pfeffer du Rassemblement National a été réélu dès le premier tour avec 50,90% des voix, devançant le maire de Forbach, Alexandre Cassaro du Parti Les Républicains, 21,23% des voix, talonné par la candidate du Nouveau Front Populaire, Claire Blatt, 21,21%. Idem dans la septième circonscription, le secteur de Saint-Avold. Le député sortant Alexandre Loubet du Rassemblement National a été réélu dès le premier tour avec 53,33% des voix, très loin devant le Nouveau Front Populaire, 18,53%, et la candidate Ensemble, 18,03%.